Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Il a, monsieur Knet. Il est mort. Oh. Il avait la grippe, mais il n'était pas malade à ce point-là. Oh. Il était couché depuis 3 jours avec seulement un peu de fièvre. Hier soir, il avait mangé avec appétit son œuf à la coque et sa compote. À l'instant, je lui manque son petit déjeuner. Et voilà ce que je trouve. Un mort. Oh. C'est peut-être le cœur. Un mort dans mon hôtel. C'est épouvantable. Mais il faut prévenir le commissariat. Non, le commissariat, pourquoi non? La police n'a rien à voir là-dedans. Non. Là où il faudra que je téléphone tout à l'heure, c'est à l'ambassade des États-Unis, c'est eux que ça regarde. Knet était américain et sans famille. Non, ne m'entrez pas dans cette chambre. Mais je n'entre pas, je regarde. Mon Dieu, comme il a la figure reposée. Il est encore plus beau qu'avant. Quel magnifique garçon c'était. Cette carrure. Mourir si jeune. Moi, je le connaissais pas beaucoup, mais il avait l'air gentil. Oh, toutes les femmes étaient folles de lui. Oh, baronne, faut pas exagérer. Je sais ce que je dis. Il faisait une de ses noces, et il trouvait encore le moyen de travailler des nuits entières. J'entendais sa machine à écrire. Parce que vous étiez sa voisine, mais il vous a jamais empêché de dormir. Mon Dieu, non. En tout cas, tout à l'heure, quand la secrétaire de ce pauvre garçon arrivera, vous pourrez apporter des selles. Ah, Gertrude, ça, évidemment. Elle l'aimait, n'est-ce pas? Comme toutes les autres. Dites donc, ce pauvre type, on va pas le laisser enterrer comme un chien. Il vivait ici depuis 2 ans. On pourrait faire une collecte pour lui acheter une couronne. C'est une très bonne idée, ma petite. Mais qui va s'en charger? Mon frère et moi, si vous voulez, hein, Nick? Ok, petite sœur. Mais dis donc, pas tout de suite. J'ai un cours de chimie à 9h, je suis déjà en retard. Hé, vous, Milly, vos travaux pratiques de pharmacie. Oh, c'est vrai, moi, vous oubliez la fac. Je me souviens. Allez, vite. Et à midi, je vous donnerai les noms de mes clients. Pour taper les gens, faut les appeler par leur nom. Excellente idée. À tout à l'heure, madame Rosemont. Tu es déjà rentré? C'est toi qui es en retard. Il est 12h30. Je bavardais en bas avec des gens de l'hôtel. La mort de cet Américain, c'est fou ce que ça les impressionne. Ce que je vois, ça leur coupe pas le sifflet. Tiens, mange ton sandwich. Thank you, sister. Ah, à propos, Madame Rosemont m'a remis la liste des gens de l'hôtel. Bon, bah, sitôt qu'on aura boulotté, on fera la tournée. On commencera par qui? Par Sarah Dott? Oh, bah, c'est la chambre à côté, ça me paraît logique. Non, mais tu ne peux pas l'appeler Madame Sarit, tu t'arradites comme tout le monde. Madame Sarit... Non, attends. Sarah Dott, c'est le seul nom qui lui convienne. Mais tu n'as pas le droit de mépriser cette pauvre vieille. Oh, elle a une tête de polichinelle. Et n'empêche que c'est la veuve d'un prince siamois, monsieur. Ah. Qu'elle est russe de naissance et naturalisée française, qu'elle parle notre langue à la perfection, et en plus, l'allemand, l'anglais, toutes les langues slaves et deux d'Extrême-Orient. D'accord, mais au lieu de travailler chez Cook, pourquoi elle fait des ménages? Oh, des ménages! Uniquement à l'hôtel pour rendre service à Madame Rosemont, quand les femmes de chambre rendent leur tablier. Ce qui arrive au moins une fois par semaine. Non. Tu veux que je te dise? Cette vieille-là, pour moi, elle travaille avec la police. Oh. Oui. Les ménages qu'elle fait ici, c'est uniquement pour entrer dans les chambres, parler à tout le monde et fouiller dans les corbeilles à papier. Ça lui permet aussi de bouffer, probablement. Entrez.
Oh. Bon appétit, mes enfants. Bonjour, madame Mitterradit. Oui, on parlait de vous, justement. Vous savez que l'Américain Ducâtre est mort? Oui, nous allons même quitter dans toutes les chambres pour lui offrir une couronne. On vous inscrit? Oh, ça non. Pour lui, pas un sou. Eh ben, tant pis. Vous êtes entré dans sa chambre? Bon, on le connaissait pas. Non, on le connaissait pas. Eh ben, tout le monde n'a pas eu votre discrétion. Moi, j'y suis allé pour voir s'il n'y avait rien à nettoyer. Oh, les locataires me connaissent, ils savent que même une cigarette, je n'y toucherai pas. Eh bien, j'ai trouvé trois pleureuses. Ah, qui? D'abord, Madame Kalkelbaum, cette Allemande qui travaille dans une maison d'édition. Puis Madame Monteau, celle qui fait des traductions d'anglais. Et enfin, Miss Naomi, cette petite Américaine qui est soi-disant photographe d'art et qui a un caniche, qui se saoule toute la journée. Ces dames-là, on ne les connaît pas, nous. Vous allez faire leur connaissance. Vous verrez, on les dirait noyées dans le chagrin. Et de quoi se tordre. Entre nous, moi, je crois que le Knecht, il se moquait bien d'elle. La baronne, qui est sa voisine, prétend qu'elle venait à tour de rôle, qu'il faisait les 400 coups avec elle les nuits où il ne travaillait pas. La baronne, elle, quand il s'agit d'amour... Elle brode. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que quand je suis entré dans la chambre, quelqu'un avait pensé à faire de l'ordre avant moi. Ça vous a évité du travail? Du travail. Pour vous dire la vérité, Knecht ne laissait jamais rien traîner. Mais enfin, il aurait dû y avoir un verre sur la table de chevet. Hier soir, il y en avait un. Ce matin, il avait disparu. J'ai dit aux trois dames, où est le verre? Elles m'ont répondu, quel verre? Je suis allé dans la salle de bain pour voir. Le verre était là et il était propre. Knecht s'est peut-être levé pour boire, c'est lui qui l'aura lavé. Et après, bien sagement, il est revenu se mettre au lit pour mourir. Oh non, vous ne me ferez pas croire ça. Et à propos, vous savez que le médecin de l'état civil vient de venir? Ah, et alors, il dit qu'il est mort de quoi? D'une crise cardiaque. Qu'est-ce que c'est? Madame Kalkenbraun? Oui, pourquoi? Excusez-nous, madame. Mon frère et moi, nous avons pensé que tous les anciens locataires, nous devrions nous cotiser pour offrir quelques fleurs à ce pauvre monsieur Knecht. Ah oui, vraiment? On ne peut pas laisser cet étranger partir sans un geste d'amitié. Et moi aussi, je suis étrangère. Puisque notre démarche vous paraît indiscrète, madame, nous n'insistons pas. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Pour moi, Knecht était un ami. Ah? De quoi il est mort? D'un accident cardiaque. C'est le diagnostic du médecin. Voulez-vous me dire quel diagnostic on peut porter sur un mort dont on ignore tout? Il n'est pas si facile de savoir de quoi meurent des hommes comme Knecht. Pauvre Knecht. C'était mon grand ami. Presque un compatriote. Ah oui, je crois que je vais quitter cet hôtel. Comment supporter plus longtemps le voisinage de deux femmes idiotes qui tournaient autour de lui comme des chiennes? Je parle de cette Monteau et de cette Naomi. Chacune était capable de n'importe quoi pour empêcher Knecht de voir l'autre. Ah? Oh, tenez, voilà 1000 francs pour les fleurs. Merci, madame. Oh, maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir, madame. Tu te rends compte? Elle n'est pas loin de dire qu'on le lui a assassiné, son Knecht. Oui. Oh, puis cette façon de parler des autres femmes. Vous voulez le voir? Oh, oh, madame Mitterradit, vous m'avez fait peur. Vous voulez le voir? Et qui ça? Le mort. Oh. Je viens de faire sa toilette. Il est superbe. Oh non, vraiment merci, sans façon. Quand vous en aurez envie, vous me le direz, je garde la clé sur moi. Et on ne sait jamais... Oh, ça.
tu me soutiendras encore qu'elle n'est pas folle. Dis donc, on entre au 7. Attends que je regarde ma liste. Au 7, c'est Monsieur Matson. Monsieur Matson. Ah oui, tu sais, c'est le grand maître qui a un peu une tête de sage. Ah oui, c'est celui qui vend du matériel de bureau. Allons-y. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, Monsieur Matson. Nous faisons une collecte pour offrir des fleurs à ce pauvre Monsieur Knett et... Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Est-ce si mal de vouloir faire rire un mort qui autrement s'en irait tout seul, sans rien? Non, mais vous circulez partout, vous entrez dans les chambres, vous dérangez le monde, j'étais occupé... C'est bien, monsieur, nous partons, excusez-nous. Ah, une seconde. Vous y êtes allé, vous, dans sa chambre, depuis qu'il est mort? Non, pourquoi faire? Alors, vous ne pouvez pas me dire? Il parle d'un arrêt du cœur. Qu'est-ce qu'ils savent? Jerry était un costaud. Il n'était jamais malade. Une crise cardiaque? Non, c'est trop facile. Mais vous le connaissiez? Oui, non, presque pas. Enfin, nous sommes américains tous les deux et cette mort me bouleverse. Je comprends ça. Bon, attendez, je vous donne quelque chose. 10? Non, 20 dollars. Voilà, 20 dollars. Oh. Merci, Monsieur Matson. Merci. Au revoir, Monsieur Matson. So long. Sais-tu de quoi il a l'air, ce type-là? D'un homme qui a peur. C'est exactement ce que je pensais. Allez, laissez-moi passer. Oh, madame la baronne, nous allons chez vous. Hein? Eh bien, dans ce cas, veuillez entrer. Pardon? Passez, je vous prie. Pardon, madame. Je vous en prie. Vous venez me voir pour votre collecte. Oui, madame la baronne. Eh bien, tenez, voici 50 francs. Je ne vous donne pas davantage pour deux raisons. D'abord, je suis totalement fauchée. Et puis, ce Knet ne méritait pas plus. Non seulement c'était un homme à femme, mais encore il buvait. Oh. Et du whisky. Mes ancêtres se grisaient au Chambertin. Ça avait une autre allure. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Milly n'y va pas. Mais reste ici, mais c'est pas la peine. Reste ici. Oh, espèce d'imbécile. Viens, toquer. Mais qu'est-ce qui pousse des cris pareils? Oh, madame Gatken Brown, votre œil est tout noir, vous êtes illuminé. Oh, je suis arrivé à temps. Monsieur Matson était en train de la tuer. Ce n'est pas vrai, c'est elle. Elle est venue chez moi pour m'abattre. Elle avait une arme. Une arme? Mais vous délirez. Qu'on la cherche, cette arme. Qu'on la fouille. Alors, expliquez-vous qui a voulu tuer qui? Mais personne. J'étais allée dans la chambre de Monsieur Matson pour lui parler affaires. Il vend du matériel de bureau, oui ou non? Cet imbécile m'a prise pour un fantôme. Il s'est mis à glapir et à me taper dessus. Oui, sur le crâne, l'écouteur du téléphone. Mais cette femme est entrée chez moi sans frapper. Elle a surgi tout à coup derrière mon dos. Elle était armée, je vous dis. Il faut déposer une plainte. Oh non, je vous en supplie, pas la police chez moi. J'ai déjà assez d'ennuis avec ce mort. Alors, c'est moi qui vais aller chez le commissaire. Par pitié, madame Kalken Brown, je vous soignerai comme ma propre fille. J'ai tout vu. Je suis prête à témoigner. Attention, voilà Gertrude. En arrivant, j'ai tout entendu. Matson, vous êtes un lâche et un imbécile. Oh. En tant que compatriote, j'ai honte de vous. Gertrude, ma petite Gertrude, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Il faut que je vous apprenne. Je sais, madame. Mais vous savez quoi? À l'instant, en arrivant à l'hôtel, un de vos clients m'a appris que Jerry était mort. Il faut que j'aille dans sa chambre. Je veux le voir. Venez. C'est moi qui ai la clé. Entrez. Voilà. C'est moi qui l'ai lavé et habillé. C'est pas possible. Il est encore plus beau qu'avant, n'est-ce pas? Oui. Mais je voudrais savoir qui l'a tué. Moi aussi. Comment vous? Oh, je vous en prie, laissez-moi. Il n'est pas bon d'être seul quand on a du chagrin. J'ai affaire. Tout est fait et ça n'a pas été long. Il était si ordonné.
J'ai rangé ses vêtements et ses affaires dans les deux valises. Vous pourrez les emporter en partant avec la machine à écrire. Mais enfin, madame, de quel droit vous êtes-vous mêlée de tout ça? Vous feriez mieux de me demander ce que j'ai vu dans cette chambre. Et qu'est-ce que vous avez vu? Rien. Quand je suis arrivée, les trois pleureuses étaient déjà là. Et on avait lavé le verre. Quel verre? Celui dans lequel vous lui donniez ses citronnades. Celui qui était sur la table de nuit. Selon vous, qui l'aurait lavé? L'une des trois pleureuses, ou quelqu'un qui sera venu avant elle. Et vous croyez qu'on l'a empoisonné? Et vous? Vous croyez qu'il est mort d'une défaillance cardiaque? Qui sont ces trois pleureuses dont vous parlez? D'abord, Madame Kalkenbrose. Ah oui, passons. Ensuite, Madame Monteau. Cette bécasse. Parce que Jerry chahutait un peu avec elle et croyait que c'était arrivé. Et Miss Naomi. Ah oui. Celle-là, bien entendu. Toujours fourrée avec lui dès que j'avais le dos tourné. Je disais à Jerry de se méfier, mais il en avait pitié, il me répondait, je n'ai pas le droit de l'acculer au désespoir sans essayer de comprendre son cas. son cas, une hystérique, oui. Oui, mais elle n'aurait jamais pensé à laver le verre. Une fille qui est toujours entre deux whisky. Oh, laissez-moi, Madame Mutaradi. Après tout, cette histoire ne vous regarde en rien. Oh, moi, je ne m'y intéresse que par dilettantisme. Ça m'amuserait de trouver l'assassin, voilà tout. Mais enfin, vous pensez que cet assassin habite l'hôtel? Oui. Et si nous dressions une liste? Enfin, nous n'allons pas passer en revue un par un les locataires de 26 chambres. En fait, Jerry se méfiait d'une seule personne. Hein? Oui. De qui? Max Zolter. Le Suisse du 25, celui qui a toujours des lunettes noires. Oui, oui, celui-là. Pourquoi? Parce que de lui, il ignorait tout. Madame Monteau. Oui, mademoiselle. Excusez-nous de vous déranger, mais mon frère et moi... Je sais. Madame Rosemont m'a mise au courant de votre collecte. Et c'est bien de votre part. C'est très bien, si. Je vous attendais. Asseyez-vous. Merci. Vous prendrez bien tous les deux une tasse de café avec moi. Vous êtes bien bonne, madame, mais nous avons si peu de temps. Et je vois que nous vous empêchons de travailler. J'ai eu récemment le plaisir de lire un livre anglais que vous aviez traduit. Ah oui, lequel? Le passeport bleu. Ah oui. Oui, moi aussi, j'ai eu grand plaisir à y travailler. Mais c'est si rare. D'habitude, je m'épuise sur des inepties d'imprimaires décourageants. Enfin, cela me permet de payer cette chambre hideuse, d'ailleurs hors de prix, de fumer deux paquets d'américaines par jour et de m'habiller dans les bonnes maisons. Ce qui est mon seul petit luxe. Et nous allons nous retirer. Non, restez. Je ne travaille pas. Aujourd'hui, je ne pourrai rien faire. Pour moi, cette mort a été un coup terrible. Vous le savez, vous, madame, de quoi il est mort? D'une crise cardiaque. Certains indices laissent soupçonner maintenant qu'il s'agirait d'un assassinat. Mon Dieu. Alors si on l'a assassiné, je sais qui a fait le coup. Non, croyez-moi, Jerry était noble et vigoureux comme un chêne. Bienfaisant aussi. On pouvait se reposer près de lui, à son ombre. Il ne pouvait pas disparaître ainsi. Comment n'avais-je pas compris? Un chêne peut être fou. Non, pas lui. Ça n'aurait pas été juste, et Dieu est juste. Il ne frappe pas un homme qui fait le bien autour de lui simplement par le réconfort qu'apporte sa présence. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû comprendre tout de suite qu'elle l'avait tué. Qui ça? Mais cette Naomi qui est toujours saoule. Cette fille qui se dit photographe. Je la hais. C'est très grave ce que vous venez de dire là, madame. Il n'est pas encore prouvé que M. Knett ait été empoisonné. Mais allons donc, cette femme est capable de tout. Et avec tous les poisons qu'elle manipule pour ses photographies. Et pourquoi l'aurait-elle tué? Et pourquoi certaines gens ne peuvent-ils pas voir un bel objet sans le briser? Ou une page blanche sans la souiller?
Il lui faisait la charité d'une parole, d'une tape sur la joue. Coucher avec Sam. Ah non, jamais. C'est bien parce qu'elle n'a pas pu la voir qu'elle s'est vengée. Mais savez-vous si elle est allée dans sa chambre hier? Mais naturellement, et plusieurs fois. Et vous-même, madame? Moi, bien oui, je suis restée à lui faire la lecture de 3 à 5. Et puis j'ai voulu aller lui dire bonsoir, mais madame Rosemont était là avec le dîner. Et je ne suis pas entrée, et après, ça aurait été trop tard. Je crains de le réveiller. Tout le monde n'a pas dû avoir les mêmes scrupules. En somme, vous ne savez pas quelle est la dernière personne qui a vu Knet vivant. Mais comment le saurais-je? Ce qui est sûr, c'est que seule Naomi était capable d'aller le relancer au milieu de la nuit. Croyez-vous qu'il aurait ouvert? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tenez, mademoiselle, voilà 1000 francs. Merci. Je ne vous donne pas davantage parce que je veux lui offrir un petit bouquet personnel. Un bouquet de roses. Il les aimait tant. De rien. Asseyez-vous et buvez. Il faut que nous vidions cette bouteille de whisky. Oh, une goutte seulement. J'en veux bien un petit fond de verre, merci. Bravo! Moi, je bois depuis ce matin et c'est maintenant seulement que je commence à aller mieux. Si vous m'aidez, ça ira peut-être tout à fait bien. Prenez des verres, ils sont là. Je vais les laver. Oh, pas la peine. L'alcool purifie tout. Ah, vous regardez ma chambre. Oh, et vous, mon petit, ne me regardez pas comme ça. Oh, je sais. J'ai l'air d'une chiffonnière au milieu de ces poubelles. Pas le temps de faire le ménage. Oh, et tout ce matériel de photo qui prend une place. C'est joli, ce portrait. Et puis ces deux paysages. Oh, vous avez un petit chien adorable. Hey. À cause de lui, la mère Rosemont veut me ficher à la porte, mais Laura beau gueuler, je ne m'en séparerai pas. C'est mon ami, le seul. Lui, au moins, il a pitié de moi. Même quand je lui tape dessus, elle a pitié de moi, il me lèche les mains. Oh, je suis une femme... fini. Il faut vous reposer. Où voulez-vous que je me repose? Depuis si longtemps que je n'ai pas dormi. Comment voulez-vous que je dorme? Surtout aujourd'hui, le jour de sa mort. Mademoiselle. Oh, mais vous, qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire? Vous n'êtes que des gosses. Oh, c'est des gosses. Vous et nous, on a presque le même âge. Oui, mais moi, je suis l'enfant de 100 ans dont parle la Bible. Oh. 100 ans, il peut s'en accumuler des bêtises et des catastrophes sur l'épaule d'un enfant. Mais nous sommes venus, mon frère et moi. Oh, je sais, je sais, je sais. Je vous donnerai 50 dollars, 100 dollars. Mais ne vous en allez pas. Il faut la finir, cette bouteille. N'aurions pas à accroître votre peine, mademoiselle. Mais nous aimerions parler avec vous de ce monsieur Knet qui était votre ami. Nous nous demandons de quoi il est mort. Tiens, la crise cardiaque, ça ne va plus. Certains pensent qu'il a été empoisonné. J'ai toujours cru à un assassinat. C'est pour ça que je bois. C'est pour ça que je veux me crever de boisson. Je veux crever tout de suite. Mais calmez-vous. Nous sommes vos amis. Vous voulez savoir qui a fait le coup, hein? Ça vous intéresse? C'est moi, pardi. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Taisez-vous. Mais qui d'autre que moi? La brigaleuse, l'intoxiquée. Ils vont tous penser à moi. Ils vont tous m'accuser. Taisez-vous. C'est si commode. Pour... Gertrude qui me veille. Ce sera si agréable. Mais personne ne vous a accusé. Jerry était ma dernière chance de salut. Lui. Lui seul. Alors, puisque c'est vous qui aviez besoin mais de lui... Mais pourquoi l'aurais-je tué, n'est-ce pas? Mais Gertrude ne me lâchera pas. Elle me hait. Si c'est par jalousie, vous n'étiez pas sa seule rivale. Ah, qui? Madame Monteau. À quoi voulez-vous que serve une femme comme ça, un homme comme Jerry? Qui encore? Madame Van Uzi? Madame Van Uzi, qui est-ce? Oh, celle qui est au 21.
illuminé, qui fait tourner les tables, qui convoque les esprits. Oh, elle amusait Jerry, et sa librairie des bouquins spirit lui était utile quelquefois. Non, 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 Gertrude n'a de haine que pour moi. Savez-vous quelle est la dernière personne qui a vu Knet vivant? Je n'en sais rien, moi peut-être. Réfléchissez bien, Naomi. La dernière personne qui a vu Knet hier, c'est celle qui l'a tué. Oui, le soir, peut-être 8 heures encore, après son dîner, je suis allée boire un verre avec lui. Et les verres? Après avoir bu, qu'est-ce que vous en avez fait? Ouais, le mien, je l'ai lavé et remis à sa place pour faire plaisir à Jerry. Il était tellement ordonné. Et son verre à lui? Je l'ai laissé sur la table du chevet. Et vous êtes resté longtemps? Une heure et demie. J'y serais resté bien davantage, mais il a reçu un coup de téléphone et tout de suite après, il m'a dit « Bye bye, baby ». Et voulez-vous vous en alliez? Oui. Et je suis partie. Vous croyez que ce coup de téléphone lui annonçait une visite imminente? Je n'en sais rien. Mais vous n'avez pas eu envie de savoir? Moi, espionne et Jerry, mais vous rêvez! Excusez-moi, Naomi. Je voudrais vous poser une dernière question. Allez-y. Quelle était réellement la profession de Knet? Il était journaliste. Vous le saviez pas? Alors, Nick, on monte à l'étage au-dessus? Si tu veux. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces conversations? J'ai l'impression d'une mare dans laquelle est tombé un pavé. Et les grenouilles affolées sautent dans toutes les directions. Moi, je trouve que cet hôtel ressemble à un nid d'espions. Ils doivent être 2 ou 3 bandes rivales à se surveiller et à se tirer dans les pattes. Tu crois? Rappelle-toi de ce que disait l'oncle Julius. Dans le monde de l'espionnage et du contre-espionnage, tous les agents se connaissent, s'épient et se rendent à l'occasion de menus services. Il n'empêche que de temps en temps, on en balance un par la fenêtre ou par la portière d'un rapide. Ou qu'on lui fait boire une citronnade. Et tout le monde se demande qui a fait le coup, pourquoi et à qui le tour. Et il y a des pleurs et des grincements de dents. Dites donc, vous ne savez pas? Pardon? Monsieur Watson et Madame Calkelbrod viennent de demander leurs notes. Ils quittent l'hôtel demain matin. Ils en ont tellement peur l'un de l'autre. Ils ont peur tout court. Je crains que bientôt, il n'y ait beaucoup de chambres à louer ici. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer? Vous ne pourriez pas essayer de savoir si personne n'est venu de l'extérieur voir Knet, hier dans la soirée après 8 heures? Personne n'est venu. Vous le savez? Oui. Alors écoutez, il a reçu un coup de téléphone hier soir pendant que Naomi était à son chevet. Il n'y aurait pas un moyen d'identifier la personne qui lui a téléphoné? C'est difficile. En tout cas, je saurai par Madame Rosemont si l'appel venait du dehors ou d'une chambre de l'hôtel. Oh, ça, je n'y avais pas pensé. Mais d'une autre chambre, mais oui. Vous croyez que ce coup de téléphone a provoqué la crise cardiaque? Sait-on jamais? Ben, je descends vite. Les gens de l'ambassade vont arriver. Mademoiselle Gertrude leur a téléphoné. Je vais garder la réception parce que Madame Rosemont commence à perdre la tête. Allez, vite. Ben comme ça, ma vieille, tu pourras voir qui entre et qui sort et te tenir au courant de tout. Mais cela, c'est pour femme. Ça l'amuse. On entre au 25? Au 25, qui c'est? Dans d'après ma liste, c'est Max Zolter, le Suisse. Ah. Madame Rosemont a ajouté « représentant en appareil de précision ». On y va? On y va. Entrez. Bonjour, monsieur Zolter. Nous venons... Pour la collecte. Oui, oui. Ah, oui. Et asseyez-vous. Merci. Là... Vous allez prendre quelque chose avec moi? Oh non, vraiment, merci beaucoup. Nous venons déjà de boire du whisky chez l'américaine du second. Dommage. C'était la dernière occasion pour nous de boire ensemble, puisque je quitte Paris. Hein? Oui. Vos affaires vous appellent ailleurs? C'est cela même. Mes affaires m'appellent ailleurs. Et pourtant, je n'ai pas fait grand-chose dans votre belle capitale. Mais que voulez-vous? Ma présence n'y est plus nécessaire. Vous le connaissiez, vous, monsieur, ce Knet qui est mort? Si je le connaissais... Mais je ne connaissais que lui. Pensez donc, si grand journaliste. Je le voyais souvent dans la boutique de Madame Vanuzzi. Elle a une librairie, je crois. Oui, rue Saint-Jacques.
J'ai l'impression que ce Knet n'était pas n'importe qui. Oh non, non, ça n'était pas n'importe qui. Vous ne trouvez pas étrange qu'il soit mort comme ça, subitement? Bon. Sans avoir donné auparavant le moindre signe de faiblesse cardiaque. Mais qu'est-ce que vous en savez? Presque tout le monde ici croit qu'il a été assassiné. Ah oui. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend pour appeler la police? Le médecin a donné le permis d'inhumer, mais Mme Kalkenbrand, Mme Monteau et Miss Naomi croient, elles, à l'assassinat. Oui, eh bien elles ont trop d'imagination. Et cette mort banale les prive d'un peu de théâtre, il voilà. Il peut très bien avoir été empoisonné. Oh, London, le poison, c'est une arme de cuisinière. Il y avait des femmes autour de lui. Oui, mais aucune ne voulait le tuer. Mme Monteau, c'est une brave bourgeoise énamourée. L'américaine platinée, cette épave, attendait de Knet de retrouver du travail et la confiance des gens de son milieu. Voilà. Madame Kalkenbrand, c'est une espèce de vieux crocodile, mais tout de même une grande dame qui ne manie pas plus le poison que les casseroles. Et quant à Gertrude, elle était folle de son patron et j'ai tout lieu de croire que c'était sa femme. Je vois que vous connaissez ces dames beaucoup mieux que nous. Oui, oui. Knet m'en parlait souvent et assez intimement. Ce n'était pas un gentleman, croyez-moi. Mais il ne mérite pas que vous vous tourmentiez à son sujet. Non, il est mort d'une crise cardiaque, comme un bon vieux grand-père, voilà tout. Mais enfin, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas quelque part des gens qui avaient une raison de le faire disparaître. Ça, mademoiselle, si on vous le demande, direz que vous n'en savez rien. Vous avez pu savoir au sujet du coup de téléphone? Oui. Il partait de cette chambre-là, vous voyez, au bout du couloir. Du 21? Qui est-ce qui habite là? Madame Vanoudi. La libraire qui vend des livres sur l'au-delà? Oui. Une folle. On va la voir? Oh, bah, naturellement. Il faut qu'elle paie son égo comme tout le monde. Mmh. Alors, bonne chance. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Nous quittons ma sœur et moi pour... Oui, je sais. Entrez donc. Pardon. Ça sent bon chez vous, madame. N'est-ce pas, Milly? Oui, je brûle de l'encens. Vous regardez cette photographie? C'est celle d'un ectoplasme. Ah, ça! Ce sont des dessins fantastiques de Dylan Redon. Je me plais à les contempler. La solitude est moins pesante. Surtout un jour comme celui-ci. Vous connaissiez bien M. Knet, je crois. Oui, il fréquentait ma librairie. Qui est un peu spécialisé à ce qu'on m'a dit. Vous êtes bien à l'école de physique et chimie. Oui, ma sœur, elle, est à la faculté de pharmacie. Eh bien, tous les deux, vous trouveriez chez moi matière à émerveillement. J'ai des ouvrages d'alchimie et des grimoires où le secret de la pierre philosophale est peut-être conservé. Vous n'avez que des livres anciens? Non. En réalité, ce que l'on trouve chez moi, c'est toute la littérature française et étrangère concernant les sciences occultes. La philosophie et les religions d'Extrême-Orient, la théosophie, le spiritisme et la parapsychologie. Monsieur Knet s'intéressait à ce genre de littérature? Oui. Pourtant, je n'aurais pas cru que cet homme d'apparence très réaliste, ce donjon, ce journaliste fut attiré par tout cela. Mais je n'ai pas été longue à me rendre compte qu'il était marqué. Marqué? Du signe de la bête. Il avait une aura rouge. Nous avons tous une aura, vous le savez. Mais elle n'est visible que pour quelques privilégiés. J'ai compris tout de suite qu'il venait dans ma librairie, non pas pour y chercher la vérité, mais par dérision, pour affirmer la puissance diabolique qui était en lui et qu'il représentait. C'était un homme dangereux. Il n'était pas libre. Et il faut tout craindre de la servitude et de l'obscurité. Mais pourtant, Madame Monteau nous a dit que c'était un être qui faisait du bien par sa seule présence. Madame Monteau est une sotte qui espérait se faire épouser. Quant à Naomi, l'américaine, elle lui aurait léché les pieds. Il s'amusait de cette épave, de ce déchet humain. Il ne lui a rien donné, pas ça.
Vous savez ce qu'il était vraiment? Un envoûteur. Il attirait les gens vers lui au gré de sa volonté. Si je comprends bien, il vous faisait un peu peur. Peur? Moi? Ce fils de la nuit? Que peut-on craindre de ces infernaux quand on vit soi-même dans la lumière? Madame, savez-vous que Knet a été empoisonné? Vous m'étonnez. Le médecin a-t-il refusé le permis d'inhumer? Non. Il a conclu à une défaillance cardiaque. Alors? Et tous les gens qui connaissaient Knet sont pourtant convaincus du meurtre. A-t-on appelé la police? Personne n'a qualité pour le faire. Voyez-vous comme cet homme était malfaisant? Même après sa mort, il s'efforce de semer la suspicion et la discorde. C'est lui, n'en doutez pas, le responsable de cette bagarre ridicule qui a eu lieu entre cet Américain et cette Allemande. Si Knet était le sombre individu que vous dites, il n'est donc pas surprenant que quelqu'un ait voulu l'empoisonner. Par crainte ou par haine. Non. Les hommes comme Knet ne meurent pas de la justice des hommes, mais de celle de Dieu. Vous êtes allé le voir pendant qu'il était malade? Moi? Je ne suis jamais entrée dans sa chambre. Mais pourtant, vous lui avez téléphoné hier soir pour lui annoncer votre visite. Ceux qui vous ont dit cela ont menti. Croyez-moi, toute collectivité humaine, dans cet hôtel ou ailleurs, est semblable à un étang pourri de miasmes et d'insectes malfaisants. Tout le monde, jeunes gens, n'a pas une physionomie aussi transparente que les vôtres. Oh, ah, mon Dieu, mon Dieu! Que se passe-t-il, Madame Rosemonde? Mais il se passe que les gens de l'ambassade américaine viennent de partir. Ils se moquent du permis d'inhumer. On va emmener le corps pour une autopsie qui sera faite par un médecin à eux. Mais ils ont raison. Il faut tout de même qu'on sache la vérité. Dites, Madame Rosemonde, n'est-ce pas Madame Vanuzzi qui a téléphoné hier soir à Knet vers 10h? Ben oui, pourquoi? En somme, elle serait la dernière personne qui l'ait vu vivant? Non, mais attention, attention. Un coup de téléphone n'est pas forcément suivi d'une visite. Oh, encore ce sale chien! Non, je vous assure que cette nuit, je vais finir par la fiche à la porte. Bon, écoutez, Madame Rosemonde. Ce chien n'aboie pas comme d'habitude. Tu as raison. Il est sûrement arrivé quelque chose. Chez Naomi? Oui. Faut aller voir, venez vite. Allons-y. Allez. Naomi! Naomi! Oh non! Oh non! Oh, j'entre! Oh, Naomi, elle est évanouie! Naomi! Naomi! Répondez-nous! Mais, elle est morte. Oh. C'est pas possible. Oh si, regarde ses yeux. Oh, quelle horreur. Elle a dû se briser la nuque en tombant. Ma qu'on l'ait assassinée, elle aussi. Que se passe-t-il? Ah, Baronne, c'est épouvantable. Elle est morte? Oui. Jamais 203. À qui le tour? Oh, Baronne, ayez pitié de moi. Oh, dans cet hôtel, il n'y a que des cinglés. Dites-moi, madame. Oui. Vous qui habitez à côté de la chambre de Knet, vous allez peut-être pouvoir nous préciser un détail. Lequel? Cette pauvre Naomi était chez Knet hier soir vers 8h30. Un peu plus tard, on a téléphoné et elle est partie. Oui, il a reçu un coup de téléphone vers les 10h. Et elle est partie tout de suite après? Ah, ça, je n'ai pas fait attention. Quelqu'un est bien venu. Oui. Et vous n'avez pas reconnu la voix? C'était une voix inhabituelle. Celle d'une femme? Oui. Oh, elle a dû rester longtemps, je ne l'ai pas entendue partir. Je m'étais endormie. Mais Gertrude, ça ne nous intéresse pas de savoir ce qui se passe au 16? Mon chagrin suffit à m'occuper. On peut veiller à mort et se tenir au courant des événements, non? Je crois que nul plus que vous n'est au courant des événements. Mais Gertrude, nous étions tacitement d'accord. Je devais vous aider à démasquer le ou la coupable. Et vous avez franchi les étapes. Pourtant, seul un spectateur neutre comme moi était à même d'y voir clair. Allez-vous-en. Vous me tapez sur les nerfs. La police va venir. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Rien. S'il est sans intérêt que vos chefs s'aperçoivent qu'il vous reste beaucoup à apprendre.
Vous avez besoin de mûrir, ma fille, de tuer en vous la femme sensuelle et violente. Il faut être une Kalkenbrunn pour réussir dans le métier que vous faites. Ah, madame Outaradis, c'est fait, vous savez. Quoi donc? J'ai téléphoné à la police. Ils m'ont recommandé de ne toucher à rien. Ils envoient le commissaire sitôt qu'il sera rentré. Mais que voulez-vous? Il fallait bien en passer par là. Descendez me voir au bureau. Me laissez pas seule, je vous en supplie. J'y serai dans 5 minutes. C'est moi, madame Sari Tutaradi. Entrez. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure? Si. Je me demande comment madame Rosemonde tolère cet insupportable cabot. On venait de tuer sa maîtresse. Mais c'est affreux. Qui a fait ça? La personne qui a tué Knight. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi tuer cette fille, cette épave, cette... Calmez-vous, madame, calmez-vous. La police sera ici d'une minute à l'autre. La police? Naturellement. Ils vont tous nous mettre sur le grill. On cherche le mobile, on fouille dans la vie privée du mort, de ses proches. On interroge ses relations. Moi, cette fille, je la connaissais à peine. Elle m'était indifférente. J'avais même pitié d'elle lorsque je la voyais ramper devant Knet dans ma librairie. Pourquoi l'aurais-je tuée? Il y a aussi la mort de Knet. Il est mort d'un arrêt du cœur. Non, empoisonné. Est-ce qu'on veut me rendre folle avec cette histoire? Ne sait-on pas que cet homme était beau comme Satan, mais redoutable comme lui? C'est intéressant ce que vous dites. Et les inspecteurs y seront sûrement très sensibles, car les deux crimes sont liés. On n'a aucune raison de me parler de la mort de Knet. Et puis, il y a le permis d'inhumer. Les Américains en ont fait des papillotes. Mais pourquoi tant d'histoires? Pour une mort voulue par le Très-Haut? Pour la mort d'un individu malfaisant? Qui prenait les êtres dans sa main et les dépouillait de la lumière et de la liberté. Savez-vous que beaucoup de gens étaient intéressés à sa vie et à sa mort? Des alliés, des auxiliaires, des rivaux, des émules, des clients et même de simples curieux. Cela, la personne qui a versé le poison ne le savait pas. C'est ainsi qu'elle est devenue responsable de 2 morts au lieu d'une. Venez, monsieur Zolter, venez vous aussi vous asseoir dans mon bureau. Venez. Venez, je vous en prie. Messieurs, dames. Oui, monsieur Zolter. Hein? Ben, figurez-vous que j'aimerais bien savoir pourquoi on a tué cette femme. Ça vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Ah oui. Mais en tout cas, madame Udaradi, pouvez-vous me dire qui a fait ma chambre aujourd'hui? Pas moi. Ben, alors qui l'a fouillée de fond en comble pendant que je m'étais absenté pour déjeuner? Ah! Il en est encore à se préoccuper d'un coup d'œil jeté dans ses affaires. Ah, vous, ça va. Je crois bien qu'on a fouillé dans toutes les chambres, mon cher monsieur. Oui, vous, vous êtes une sorcière. Oh. Oui, je ne resterai pas 1 minute de plus dans une maison où l'on traite les locataires avec autant de légèreté. Et préparez-moi ma note. Alors, on a décidé de tuer tous les Américains ici? Cette créature ne méritait certainement pas l'honneur qu'on lui a fait. Et celui qui a ordonné ça était un imbécile. Et celui qui l'a exécuté, une brute. Voilà. Vous avez raison. C'était une pauvre créature sans défense. Elle buvait et après. On ne pouvait pas lui faire confiance, elle ne servait plus à rien ni à personne. Oh, Zoltan, il y a quelque part quelque chose qui nous échappe à vous et à moi. Mais ça n'est pas rassurant. Je vous écoute tous, tant que vous êtes. Et vraiment, vous me faites sourire. Chacun vit le nez dans ses propres affaires et ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Vous croyez que rien ne peut survenir dans vos parages qui n'émanent de l'un d'entre vous? Eh bien, il faudra vous en persuader. Le monde entier n'est pas uniquement composé de gens de votre espèce. Vous avez vos hautes et vos basses besognes, vos fameuses missions, mais tout autour de vous se meuvent des forces beaucoup plus grandes encore. Quelles forces? L'amour, par exemple. L'amour et la jalousie. La folie aussi? Oui, l'amour et la folie. Avec ça, vous savez ce que l'on peut faire. Ben, non, quoi?
On peut provoquer un court-circuit. Un court-circuit? Oui. Oui. Il a suffi qu'un maladroit ou un ignorant vienne se brancher sur le circuit et crac, une grande flamme, deux morts, et vous, tout penaud et déconcerté, tâtonnant dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est? La police? Ça n'est pas trop tôt. Commissaire Gaillon, qui a téléphoné? C'est moi. Vous êtes la patronne? Oui, monsieur le commissaire. Et les autres, là, je suppose que ce sont les locataires? Oui, monsieur le commissaire. J'aimerais que vous ne quittiez pas l'hôtel pour l'instant. Je peux avoir à vous poser des questions. Oh, ce sera très simple et très vite fait. Si vous voulez me suivre... Monsieur le commissaire, madame Outaradi m'est toujours d'un grand secours. Je suis très impressionnable. Elle a les clés. Elle vous dira tout. Bien. Alors, madame, je vous suis. Il s'agit d'une Américaine, n'est-ce pas? Oui. Une Américaine et un Américain. Après quoi, au téléphone, il ne s'agissait que d'une femme qui se serait brisé le crâne en tombant. Est-ce qu'on l'aurait un petit peu poussé? Pour l'Américain, madame Rosemont n'en a pas parlé au téléphone parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas quoi, qu'il était mort? Non, qu'on l'avait empoisonné. Ah, et tandis que vous, vous savez. Hein? Tout le monde le sait, sauf la patronne. Ce qu'on ignore, c'est qui est l'assassin. Enfin, j'ai été appelé que pour la fille. Je veux d'abord voir la fille. Et tout à l'heure. Il faut prendre les choses par le commencement. Et où est-il, ce commencement? Là, à la chambre 21. Qui est habité par qui? Une madame Vanuzzi. Madame Vanuzzi? Et d'après vous, c'est elle qui a tué, oui? Je ne suis pas policier, mais je crois avoir un peu de flair. Voilà. Venez. Entrez. Elle s'est pendue? Qu'elle irait jusque-là. Oh, que c'est laid. Elle est morte, oui. Le corps est encore tiède. Et c'est un sang qui fume devant ce cadavre. Enfin, quoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tôle, hein? Un court-circuit. Vous dites? Rien. J'ai deux ou trois déclarations à faire que vous enregistrerez tout à l'heure. L'enquête sera courte, croyez-moi. Et elle ne couvrira de gloire ni l'un ni l'autre. Elle était dingue, cette femme, ou bien quoi? Oui, un peu folle. Et amoureuse. Et jalouse. Elle s'imaginait que l'Américain l'avait envoûtée parce qu'elle avait tout bonnement envie de coucher avec lui. Eh ben, si c'est pas malheureux. Et le type? Oh, le type, ça, c'est une autre histoire qui n'est pas pour vous. Ah, qui n'est pas pour moi? Bon. Et la fille, est-ce qu'il y a vraiment une fille au crâne fendu en plus? Comment? Ne cherchez pas de ce côté, commissaire. Ça, c'était un pur accident. Tiens, qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Qu'est-ce que c'est que ce papier? C'est l'écriture de cette madame Vanuzzi, regardez. Faites voir. Eh oui. Ouais. Ma parole, c'est sa confession. Voyons. C'est fait. Il m'a dit j'ai soif, c'est la fièvre. Alors j'ai exprimé le jus d'un citron. Puis dans la salle de bain, j'ai fait couler l'eau dans le verre. J'ai aussi brisé la petite ampoule. Il a bu et il est mort. Avant de les brûler, j'écris ces lignes pour bien me convaincre que c'est fait. Il est mort et maintenant je suis libre. C'est l'aveu de son crime, oui. Oui. Elle a fait ça pour être libre. Et maintenant, l'est-elle vraiment libre?
Court-circuit, ce film radiophonique de Jean Marcillac avait pour interprètes Régine Chantal, Geneviève Morel, Pierre Delbon, Charlotte Clasis, Germaine Kerjean, Marie-Jeanne Gardien, Pierre Marteville, Nicole Verville, Laurence Weber, Jacqueline Rivière, Henri Labussière, Muriel Chanet et André Var. L'Anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.